la première et la seconde mort. Au commencement, Dieu créa l'homme, mâle et femelle, Adam et Ève, et il les plaça dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Dieu les a bénis en leur disant « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre ». Et la population humaine s'est accrue jusqu'à compter plus de 7 milliards d'âmes. Chacun essaie ardemment de vivre la vie la plus belle et la plus heureuse ici sur terre, en achetant les meilleurs vêtements à la mode, une maison confortable et de belle apparence, une voiture luxueuse de prestige, et ainsi de suite. On s'efforce de donner aux enfants la meilleure éducation scolaire, leur permettre les activités sportives les plus variées, ainsi que leur accorder à peu près tous les plaisirs de la vie. Préoccupés par les besoins et les exigences de la vie, on n'a plus le temps pour Dieu, et on le met de côté, sans prendre conscience de la brièveté de la vie. On oublie que la fin de la course terrestre correspondra avec l'entrée dans la vie éternelle, qui n'aura pas de fin. Certains ont demandé que leur corps soit incinéré après leur mort, en pensant, dans leur compréhension limitée, que cela mettrait fin à tout et empêcherait Dieu de les ressusciter de leurs cendres. Deux histoires bibliques lèvent le voile sur ce qu'il y aura après la mort. La première est racontée par le Seigneur Jésus. Il s'agit de l'histoire de Lazare et du riche. La seconde est celle de l'échange entre le Seigneur et l'un des brigands lors de la crucifixion. Première histoire. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chair chaque jour splendidement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher les ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut aussi et fut enseveli. Et, dans le royaume des morts, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Luc chapitre 16, versets 19 à 24. Deuxième histoire. Alors que le Seigneur Jésus était attaché à la croix, il a pu dire à l'un des deux autres crucifiés, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc, chapitre 23, verset 43. C'est ainsi que le royaume des morts, le sein d'Abraham et le paradis sont des endroits où sont accueillis les esprits des morts à leur décès, c'est-à-dire lors de la première mort. Cependant, il y a des gens qui ne passeront pas par cette première mort, selon ce que nous révèle l'apôtre Paul. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52. Cela signifie qu'à l'instant de l'enlèvement de l'Église, des croyants toujours vivants seront délogés de cette terre pour se retrouver dans la présence du Seigneur sans être passés par la mort physique du corps. La conséquence en est qu'ils ne goûteront pas non plus la seconde mort. Que nous dit la Bible sur cette seconde mort? Ceux qui ont goûté la première mort pour se retrouver dans le royaume des morts seront ramenés à la vie pour être jugés. On peut lire en effet, « Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. » Et la mort et le royaume des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. Apocalypse, chapitre 20, verset 13. Le Seigneur Jésus a également dit, « Car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront, ceux qui auront pratiqué le bien, en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal, en résurrection de jugement. » Jean chapitre 5, versets 28 et 29. C'est ainsi qu'à la résurrection d'entre les morts, ceux qui auront pratiqué le bien ne seront pas jugés,
mais recevront plutôt la récompense. Car, écrit l'apôtre Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains, chapitre 8, verset 1. Quant à ceux qui auront pratiqué le mal, ils se tiendront debout devant le grand trône blanc pour être jugés par le Seigneur Jésus-Christ et y subir la condamnation qui les amène à la seconde mort, qui consiste à être jetés dans l'étang de feu éternel préparé pour le diable et ses anges. On peut lire en Apocalypse, chapitre 20, versets 14 et 15, « Et la mort et le royaume des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. » Les Saintes Écritures révèlent encore, « Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela, le jugement. » Hébreux, chapitre 9, verset 27. Mes bien-aimés, avec la naissance de Christ, l'histoire a été divisée en deux, l'avant-Christ et l'après-Christ. Avant-Christ, ceux qui ont pratiqué le bien se sont retrouvés, après leur mort, dans le sein d'Abraham, tandis que ceux qui ont fait le mal sont allés au royaume des morts. Mais après le Seigneur Jésus, ceux qui sont morts en Christ vont au paradis, tandis que ceux qui ont refusé l'œuvre de la croix vont au royaume des morts jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ressuscite leur corps de la mort pour les juger et ensuite les jeter dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Comme il existe une première et seconde mort, ainsi il existe aussi une première et seconde condamnation pour ceux qui auront fait le mal. La condamnation des vivants, alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. Et la condamnation des morts, les morts seront ressuscités et se tiendront devant le grand trône blanc pour le jugement. Ils seront ensuite jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, versets 13 à 15. Entre la condamnation des vivants et celle des morts, il y aura 1000 ans. Période du règne du Christ ou millénaire. Une vérité importante, ceux qui forment l'Église et qui iront à la rencontre du Seigneur Jésus dans les nuées, lors de l'enlèvement, ne connaîtront ni la première ni la seconde mort. Par contre, ceux qui auront refusé le Christ et auront été confrontés à la première mort connaîtront à coup sûr la seconde mort. Quant à ceux qui seront morts en Christ, ils ne connaîtront que la première mort, sans être confrontés à la seconde. Les méchants, toujours vivants à la venue du Seigneur, c'est-à-dire au jour de son apparition, ne passeront pas par la première mort, mais seront jugés de leur vivant pour être ensuite jetés dans l'étang de feu. S'ils ne goûteront pas la première mort, ils goûteront la seconde. Bien-aimé, à quel groupe appartiens-tu? Où passeras-tu l'éternité sans fin? Recherches-tu un bonheur éternel avec le Christ dans le ciel, ou bien une souffrance et une misère sans fin en compagnie du diable et de ses anges en enfer? Le ciel et l'enfer sont des réalités. Confesseras-tu dès maintenant tes péchés à Christ et l'accepteras-tu comme Seigneur et Maître de ta vie? Terminons par ces paroles du Seigneur Jésus. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean, chapitre 5, verset 24.